Bienvenue dans un What's Up très spécial. Aujourd'hui, on va vous emmener dans les coulisses d'un événement exceptionnel, le prix Gulli du roman 2015. J'ai hâte. Allez, c'est parti dans 3, 2, 1... Il y a quelques jours à peine avait lieu à Paris une remise de prix littéraire hors du commun. Elle distinguait un ouvrage destiné aux 8-14 ans. Eh oui, la littérature jeunesse mérite aussi son prix. Et pour aller voir ce qui s'y est passé, on a fait appel à Léa. Salut WhatsApp, pour vous, je vais suivre la remise du prix Gulli du roman 2015 et on va voir qui a gagné. Pour l'occasion, un jury prestigieux présidé par Michel Rezer a été réuni. Parmi eux, Natacha Polony, Timothée de Fombel, Caroline Cochot, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Yan Yu Wang, Caroline Eliachef, Joyce Jonathan et Antoine de Cône. C'est cool de participer à cet événement. Moi, j'adore lire de toute façon. Je passe mon temps à lire toutes mes soirées. Donc c'était un... J'ai eu le plaisir de lire 5 bons livres. Bien dit, Antoine. Eh, dites-moi, mon petit doigt m'a dit que cette année, le choix du lauréat du prix Gulli du roman 2015 a été très compliqué. La faute aux livres qui étaient tous très intéressants. Bon, ok, hein, ce n'est pas mon petit doigt qui me l'a dit, mais Joyce Jonathan. Mais oui, je vous jure. Ce n'est pas difficile de choisir un lauréat? C'était très difficile de choisir un lauréat parce que ces 5 livres qui m'ont beaucoup plu, qui sont très différents, mais c'était une très bonne expérience d'être jury. Mais alors, quels étaient les 5 livres sélectionnés, hein? Nous avons demandé à Léa et Chiara de les lire pour nous, de nous les présenter et de donner leur avis. C'est pas cool, ça? Et on commence avec Chiara pour le premier roman, Dans les yeux d'Anouche de Roland Godel. Anouche, c'est une fille de 13 ans qui vit en Turquie en 1915. Et parce qu'elle est arménienne, elle est en danger parce que le gouvernement veut faire disparaître les Arméniens. Elle et sa famille se cachent. Sa vie, elle est très 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 dure jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse d'un garçon. J'ai dévoré ce livre tellement il était génial. Allez, passons au deuxième livre, Bluebird. C'est Tristan Kogel qui l'a écrit et c'est Léa qui l'a lu pour nous. Bluebird, c'est l'histoire de Helloween et Minnie. Ils ont tous deux 13 ans et tombent amoureux. Mais malheureusement, ils se perdent de vue. 6 ans plus tard, Helloween retrouve Minnie qui est devenue une grande chanteuse de blues. Je ne vais pas vous raconter la fin, mais moi franchement, j'ai beaucoup aimé ce livre car ça m'a fait voyager. Le troisième roman est celui de Kinga Wierzykowska et il s'appelle Mémoire, le monde d'après. Ça parle d'un petit garçon qui s'appelle Tomek. Il a une pierre magique et en la serrant très fort, il se retrouve dans un autre monde qui s'appelle Mémoire. Il doit y aider son frère disparu. C'est un roman passionnant, je l'ai dévoré. Le quatrième roman s'appelle Un caillou sur le toit et c'est Colin Thibert qui l'a écrit. C'est l'histoire de Till Strub et de sa famille. Une nuit, une pluie de météorites tombe sur le toit de leur poulailler. Ça attire l'attention des gens et de la télé. Till et son ami Seppi vont se servir des météorites pour se faire de l'argent. C'est vraiment un livre sympa, très marrant. Le dernier livre du concours est celui de Sophie Adriansson qui s'appelle Max et les poissons. C'est l'histoire de Max, un petit garçon très intelligent. Mais la Seconde Guerre mondiale éclate. Et malheureusement, Max est juif. Ce livre, c'est son histoire durant cette guerre. C'est un livre que je vous conseille, c'est très touchant. Ah bah on va aller voir quel est l'avis du jury, hein. Le suspense est à son comble. Nous allons le découvrir tout de suite ensemble. Attention, le prix Gulli du roman 2015 est attribué... À Dans les yeux d'Anouche de Roland Godel. Bravo, c'est un prix bien mérité. Ça vous fait quoi d'avoir gagné? Alors, ce matin, quand je suis arrivé, j'avais pas trop le trac. Et puis, petit à petit, quand il y a eu les discours les uns après les autres, le stress a commencé un petit peu à monter. Et quand il y a eu l'annonce du résultat du prix, je dois dire que j'étais hyper content. C'était un immense soulagement et un immense plaisir. Et puis, je me réjouis que plein de gens lisent ce livre qui compte beaucoup pour moi. Encore bravo en tous les cas, hein, et bravo aussi aux autres auteurs en compétition. Je vous conseille de tous lire leurs romans. Pourquoi? On est allé demander à Michel Rezer, bien sûr. La lecture, c'est très structurant, c'est très très important, ça fait rêver, ça permet d'enrichir ses connaissances. Et donc, le prix est là justement pour promouvoir la littérature pour la jeunesse. Ça vous a plu? Alors, par quel livre allez-vous commencer? N'hésitez pas à nous le dire sur gulli.fr, rubrique WhatsApp, on adore discuter avec vous. Un petit mot pour la fin, Léa? Merci WhatsApp, je suis super contente de vous avoir présenté le prix Gulli du roman 2015. Merci à toi. Allez, il est temps de se dire au revoir. Bonne lecture à tous. Bye bye.